Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, petit sujet pour mettre une chose au point qui me paraît, c'est pas forcément nécessaire, mais au final, si, quand même. Alors, il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent sur Discord, et là depuis quelques temps, il y en a beaucoup qui me posent la question et qui sont, ça les rend curieux, ils comprennent pas trop d'ailleurs, ça les surprend. Ils me disent souvent, écoute, c'est bizarre, tu cherches pas à monétiser ta chaîne YouTube, ni celle de Twitch. Et puis, pourquoi t'actives pas les commentaires, t'as peur de quelque chose ou il y a une autre raison? Alors, en effet, pour tout ça, il y a une raison très simple, hein, et je vais donc répondre tout bêtement. Alors, moi, j'ai une chaîne YouTube, oui, j'ai une chaîne Twitch. Ces deux chaînes-là sont pas faites pour gagner du pognon. Alors très clairement, je vais vous dire, moi j'ai un boulot dans la vie, j'ai la chance d'avoir un travail et j'en vis assez confortablement. Donc j'ai pas besoin de pognon en plus, je suis pas millionnaire, hein, j'ai pas un salaire mirobolant, mais j'en vis confortablement, on va dire. Et voilà, j'ai pas besoin de plus. Donc faire des subs, des machins, des giveaways. Alors là, pour moi, de toute manière, j'aurais pas le temps de m'occuper de ça, déjà d'une. Parce que justement, ayant une vie assez assez compliquée au niveau de l'emploi du temps, bah, faire ça en plus, ça serait que me compliquer la vie. Donc, niet, hein, de ce côté-là. Les commentaires, alors oui, bah oui, j'aurais pu les activer. Mais de toute façon, comme je vais pas pouvoir les lire, parce que justement, j'aurais pas le temps de m'y intéresser, ça sert à rien. Alors, il y en a qui disent oui, mais pour l'audience, les commentaires dans l'audience, ça joue tellement peu que c'est pas intéressant. Si les gens aiment ma vidéo, ils laisseront un pouce. S'ils n'aiment pas, ils iront regarder une autre vidéo d'une autre personne. C'est aussi simple que ça au final, hein. Tout le reste, voilà, hein. Moi, la chaîne, elle a été créée en 2009 à l'origine. Je sais même plus pourquoi d'ailleurs j'avais créé une chaîne YouTube. Et puis quand on a créé l'orga avec Twist, on s'est dit, tiens, si on enregistrait certaines bonnes sessions, ça ferait un souvenir. Et la chaîne, elle est partie de ça, en fait, hein. Et donc, j'ai mis quelques vidéos au tout début, j'ai dû en mettre 2-3, et puis ça a attiré du monde. On s'est rendu compte que ça a attiré du monde, des gars qui en avaient marre de jouer seul, et puis qui voudraient bien rejoindre la team. Ils aimaient bien le... Ils trouvaient que c'était un gameplay qui n'était pas beaucoup proposé dans Star Citizen et ils adhéraient plutôt à ça. Alors j'ai dit, du coup, j'ai commencé à faire des enregistrements de sessions un peu plus souvent. Parce que la chaîne, vous avez bien vu, hein, c'est principalement des rediffusions, hein, d'émissions qu'on a en live sur Twitch ou des fois des petits sujets que je fais comme ça, vite fait, bien fait. D'ailleurs, les petits sujets que je fais vite fait, bien fait, c'est exactement ça, hein. Moi, je les fais quasiment avec le sandwich à la main, la tasse de café, entre midi et deux, et puis voilà, je dis bon, allez, t'as 10 minutes, allez, fais une vidéo. Ah, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de machin. Non, je ne complique pas la vie, moi, hein. C'est tout simple, hein. Vous avez vu, c'est du brut de décoffrage, hein. Donc, et puis ça sera certainement comme ça pendant un bon moment, à moins que j'ai éventuellement l'aide d'un amateur de vidéo qui me donne un coup de main à ce niveau-là, mais en dehors de ça, j'ai pas le temps, hein. Très clairement. Hein. Entre les sessions de jeu et puis les à côté que j'ai dans ma vie de tous les jours, là, je peux pas. Très honnêtement, je peux pas. Donc, je suis pas un concurrent aux youtubeurs professionnels qui font ça sur Star Citizen ou qui font sur Twitch, hein. Moi, je fais, voilà. La seule chose que je leur pique, à la limite, c'est peut-être des viewers, et encore, hein. On sait très bien que les viewers, ils vont voir un, ils vont voir l'autre, voilà. C'est pas vraiment de la concurrence non plus, hein. Et moi, en fait, c'est pour trouver des joueurs et des joueuses, hein, ni plus ni moins, hein, c'est voilà, trouver du monde qui a envie de jouer en groupe et dans la joie et la bonne humeur, on va dire, hein, tout simplement. Hein. Donc c'est pour ça, hein. Ma chaîne YouTube, elle est là que pour... Oui. Alors si maintenant, la chaîne YouTube, elle a un autre aspect, c'est que bah, pour les gens de l'orga, quand ils cherchent une info, j'essaie d'étoffer ça maintenant avec du contenu. Pour que les gens, ils aient, par exemple, s'ils veulent des renseignements sur un vaisseau, je dis, tiens, on a fait un petit truc là pour déconner, là. Voilà, tu veux, toi, le 300i, tiens, regarde, j'ai fait un truc sur le 300i, va le consulter, éventuellement. D'ailleurs, c'est des sujets que j'essaierai de remettre à jour si jamais le vaisseau a une évolution notable, on va dire. Donc, ça, voilà.
Mais en dehors de ça, non, je cherche pas du tout à monétiser la chaîne. J'ai pas le temps de m'en occuper comme un youtubeur professionnel s'en occupe. Donc voilà. Moi, c'est vraiment le truc, voilà, c'est. On va dire que ma chaîne, c'est un appât à joueurs, quoi. Tout simplement. Tout simplement et rien d'autre. Hein. Je demande d'argent à personne et personne m'en demande d'ailleurs. Je préfère comme ça d'ailleurs. Mais bon, voilà. Mais oui. C'est juste pour ça. Et les commentaires, bah, de toute manière, comme j'aurai jamais le temps de les lire, j'aurai pas le temps d'y répondre parce que c'est trop chronophage. Ça m'empêcherait de jouer du coup. Donc moi, c'est pour jouer que je fais ça. Donc vous voyez, le truc, il est vite réglé, quoi. Non, j'ai pas le temps. Après, ceux qui sont contents, bah, ils me laissent un pouce bleu. D'ailleurs, merci à tous ceux qui me laissent des pouces, hein, c'est très sympa. Et puis ceux qui sont pas contents, bah, ils regardent pas, tout simplement. Hein. Je force personne, jusqu'à preuve du contraire. On est dans un pays libéral où chacun fait ce qu'il veut. Tout simplement. Voilà. En tout cas, ben voilà, je tenais à préciser, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question, et ben, autant clarifier directement, et répondre, à ça. Je vous souhaite à tous, ben, une bonne soirée ou une bonne journée, et puis on se dit à plus tard dans le verse. Et voilà. Ah si, un truc qui me ferait plaisir par contre, c'est si un nouveau joueur est content de mon contenu, ben, il me prend mon referral code pour l'installer à. Pour l'installer sur le setting au moment où il crée son compte RSI, gagner un petit vaisseau, ça par contre je vais pas cracher dessus. Je vous le dis franchement, je vais vraiment pas cracher dessus. Ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à utiliser mon referral code. Merci beaucoup. Mais c'est tout, hein, c'est tout ce que je demande en fait. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et à bientôt dans le verse et éventuellement sur Discord hein, pour ceux qui sont intéressés. À ciao ciao tout le monde.